Bonsoir, c'est l'heure du débrief culturel. Étant donné que je fais un musée ou une activité culturelle par week-end, vu que les Berlinois ne sortent pas à cause du temps, moi j'en profite. Les musées sont vides, c'est super. Et quand ce sera l'été, je pourrai sortir sans avoir de regrets et me dire, oh mince, je suis complètement passée à côté de tout l'art qui est présent à Berlin. Je serai dehors car j'aurai profité un max. Donc ce week-end, j'étais au musée de la photographie de Berlin, soit le CO Berlin, pour voir deux expositions de photographie temporaire. La première, c'était diverses collections regroupées au sein de l'exposition qui s'appelle Mystery of the Ordinary, et c'est des photographies prises par William Eggleston. La seconde s'appelle Floridas, donc les Florides, et c'est des photographies d'Anastasia Samoilova. Donc, première exposition, William Eggleston. Déjà, si vous savez pas qui c'est William Eggleston, eh ben vous devriez, haha. Non, en vrai, c'est le pionnier de la photographie couleur moderne. Et c'est assez marrant parce que voilà, c'est un photographe aujourd'hui qui est reconnu, mais il a quand même commencé à prendre des photos sans savoir du tout ce qu'il faisait. Il était simplement inspiré par le travail d'Henri Cartier-Bresson et il s'est dit qu'il allait se lancer. Aujourd'hui, c'est vraiment ses photos couleurs qui sont connues, alors qu'il a commencé en noir et blanc et que la couleur l'intéressait pas du tout. Pour ce qui est de sa méthode, William Eggleston, lui, il va prendre une seule prise d'un lieu, d'un objet, d'un paysage. Il va presque immédiatement oublier la photo qu'il vient de prendre et va retrouver un peu sa mémoire lors des tirages. C'est vraiment un photographe qui se prend pas du tout la tête. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la composition de ses photos. Il va vraiment travailler la saturation, la brillance, le contraste. Il va jusqu'à considérer les humains comme des objets, en fait, qui n'ont qu'un intérêt esthétique, qui ne vont que contribuer à la composition de sa photo avec les couleurs, les formes. On voit quand même dans les photos qu'il perturbe beaucoup leur intimité. Lui se justifie en disant que c'est seulement pour la composition de ses photos qu'il y a des humains, il n'y a aucun but de manière générale dans ses photos, il n'y a aucun message qu'il veut faire passer, si ce n'est qu'il souhaite que les personnes qui regardent ses photos aiguisent un peu leur œil, regardent différemment leur environnement, étant donné qu'il y a une multitude de détails qui sont à ses yeux ultra importants. Donc c'est le photographe de l'ordinaire. Lors de sa première grande exposition au MoMA, donc le Museum of Modern Art de New York, le New York Times a qualifié ses photographies de totalement banales. Et lui, William Eggleston, il va répondre en disant que, effectivement, c'est le quotidien, c'est l'ordinaire. Il ne va pas chercher à rendre les choses belles, il montre les choses telles qu'elles sont. Finalement, ce qui va le caractériser, c'est sa capacité à détacher un peu une scène, un lieu par ses photos. C'est-à-dire que le cadrage qui fait va volontairement couper certains objets, certaines personnes, et pour le spectateur, ça crée une espèce d'appréhension parce qu'on sait pas vraiment ce qui se passe en dehors du cadre. Des fois, on comprend pas tellement ce qui se passe dans le cadre. Donc la deuxième exposition, c'est Anastasia Samoilova. C'est une photographe contemporaine. Elle fait de la photographie dite de road trip. Donc cette exposition se focalise sur la région de la Floride, donc des États-Unis. Anastasia va documenter une région qui, à ses yeux, est très particulière. Déjà d'un point de vue politique, la Floride fait partie des swinging states des États-Unis, c'est-à-dire ces États où le positionnement politique n'est pas clair, n'est pas constant. C'est-à-dire qu'à chaque élection présidentielle, il va y avoir un changement de bord, en fait. Économiquement, socialement, c'est aussi un État qui est très particulier. Vu que c'est l'État le plus au sud des États-Unis, c'est un État qui est confronté à de nombreuses catastrophes naturelles. Et en fait, sa photographie, elle a tout l'air d'un collage. C'est-à-dire qu'il y a une superposition de motifs, de couleurs qui va se faire au travers, très souvent, de vitres, de flaques d'eau. Et on retrouve donc les façades roses, les palmiers, les crocodiles, donc toutes ces caractéristiques connues de la Floride. La Floride, c'est une région donc flamboyante, colorée, qui est dans cet état de désolation, de décrépitude avec les catastrophes. Voilà, c'est tout pour moi.